Et re à tous, enfin bonjour plutôt à moi parce que je viens d'enchaîner la deuxième vidéo directement. Et bien bonjour à toutes et tous, c'est Vince, on se retrouve pour l'Iron Man Challenge épisode 2. Nous sommes donc partis sur une chamane panda côté Alliance. Donc je pourrais choisir ma faction, j'irai côté Alliance. Donc l'Iron Man Challenge, pour ceux qui nous rejoignent juste cette fois-ci, c'est un challenge, enfin pour le coup sur World of Warcraft, parce que je le fais sur World of Warcraft, où vous pouvez utiliser que des objets blancs et gris. Vous les achetez, ouais, pour les fouiller dans les grandes lignes les règles, hein. Pour les sous-marchands, vous pouvez pas utiliser de consommables, vous pouvez pas utiliser de d'équipement héritage, vous ne pouvez pas mourir. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'il faut retenir de l'Iron Man Challenge, ne pas mourir, pas d'objet héritage, pas d'argent, on peut pas se transférer de PO, etc. On peut pas se transférer de stuff, on peut rien s'en transférer, et on peut équiper que des objets blancs ou gris, pas de vert, bleu. Après bleu c'est quoi? Épique, bien entendu! Et légendaire, encore moins. Si je joue un légendaire, c'est impossible d'ailleurs. Je l'équiperai juste pour le faire. Et donc on est reparti sur cette petite île des pandas. Je suis arrêté niveau 3, on recommence niveau 3, hein, je reprends directement, je fais pas de petite. Pas de transition, pas de machin, pas de choses, etc. Si c'est vraiment trop long, si c'est vraiment un truc trop long et relou, on fera une transition, c'est pas. C'est pas, on en fera pas du tout, donc voilà. Parce que je veux que vous voyez que je fais la chose de la manière la plus juste possible, sans tricherie, même si j'ai bien été tenté quand je suis tombé sur Shaman Panda, mais encore plus dans l'Alliance. Mais ça, c'est un autre détail. Du coup, oui, je vous racontais dans la dernière vidéo, j'ai commencé World of Warcraft. Non, je me suis dit que j'ai commencé juste avant, à la fin de BC, mais c'est pas vrai. J'ai fait mes conneries sur serveur privé, malheureusement pour moi. Il y a beaucoup de gens qui commencent sur serveur privé, hein. Je connais pas mal de monde qui ont commencé sur privé. Et qui sont été ensuite sur la serveur officielle. Parce que bien trop de bugs, etc. Très peu de gens, genre de choses, c'est désagréable. Et donc j'ai commencé sur serveur privé, ABC. J'ai joué mage, j'ai fait plein de bêtises, tous mes fails, etc. Avant de me faire. Aggro par un pote à moi sur officiel parce qu'il en avait marre de jouer avec, enfin de jouer tout seul. Oh, niveau 4, GG moi. Bien ça. Et donc me voilà aujourd'hui sur un Iron Man Challenge pour mes viewers. Pour mes viewers, effectivement. En espérant que ça vous plaise encore une fois. Après tant d'années à donner des sous à Blizzard, maintenant on peut donner des PO, ça c'est fat quand même. Pour ceux qui veulent savoir, World of Warcraft est un jeu payant par mois. Enfin, le jeu coûte aujourd'hui, en vrai, à l'époque, quand j'ai commencé à World, c'est officiel, j'ai acheté tous les jeux ensemble, 82 €. J'étais tout content, tout fier, machin. Enfin, en comptant les deux mois d'abord, il y avait toutes les extensions. J'avais acheté le Battle Chest juste des deux premiers. C'est-à-dire que j'ai toujours, hein, pas de problème, je le garde. Bien trop précieux. Et l'extension? Plus de mois d'abo, ça m'a coûté bagatelle somme de 90 €. Maintenant, le jeu avec toutes les extensions coûte 15 €. Donc vous achetez la boîte jusque mob. Le Battle Chest jusque mob coûte 10 € parce qu'il y a des promos Noël, tout ça. Et le jeu, l'extension de Draenor coûte 5 €. Donc c'est vraiment entre guillemets dérisoire par rapport à ce qu'on payait à l'époque. Par contre, le jeu est payant par mois, hein, 13 € par mois. Si vous souscrivez à l'abonnement mensuel normal, si pas, c'est 10 €, enfin, c'est 10 € par mois pendant 6 mois. Donc voilà, c'est juste le gros défaut de ce jeu. Hein. C'est sur l'abonnement et entre guillemets sa facilité pour ceux qui crachent dessus et puis sur plein de choses. Si vous allez voir sur les forums, de toute façon, vous avez tous les défauts de World of Warcraft, bien entendu. Très bien connu de la scène MMORPG, non. De toute façon, les gens n'aiment rien. Mais on n'est pas là pour débattre de ça. Nous sommes là pour. Texte notre chamanette à la brise, il faut attiser la flamme en utilisant la brise virevoltante. Voilà qui est fait. What? Mais non. Attends, j'ai tellement peur quand je suis tombé contre des élites ou quoi. Oui, parce que ça existe encore. En fait, je fais ça aussi pour savoir si WoW est si facile que ça, si on n'utilise pas tous les trucs d'héritage, des buffs de guild, les genres de choses qui te permettent de pex à une vitesse incroyable en ayant des dégâts monstrueux. Dès le level 1.
Ça veut dire que j'aurais pas Raikouns non plus, donc je pourrais pas savoir à combien j'en suis. À mon avis, y a pas grand chose. De toute façon, comme je ne peux pas faire d'instance, ça serait cool en fait. Ce que j'aimerais pour de vrai, ça serait faire une instance avec tous les gars qui font l'Ironman Challenge. Genre, on a 5 mecs qui font l'Ironman Challenge dans leur coin, et de temps en temps, on fait les instances ensemble, juste en galérant à mort quoi, parce qu'on n'aura pas de stuff. Ah, mais non, parce qu'il y a une règle, on ne peut pas choisir de spécialisation. Je la trouve assez vache, hein, parce que je trouve que c'est pas possible de payer au niveau maximum sans utiliser de spécialisation. Enfin, surtout qu'en chaman, j'aurais quand même tous mes totems, etc. Donc, ouais, je suis pas tombé sur la pire classe en vrai, je suis pas tombé sur la pire classe. Parlons à J-Pad de feu. Ah, attendez, j'ai pas mis le timer. Bien dommage. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Voilà. On rajoutera 2 minutes. Pas la vidéo. Ah, tiens. Parlez à mettre l'épée au sanctuaire de la lumière intérieure. Parce qu'à l'époque. Qu'est-ce que j'allais dire à l'époque? Oui, on n'avait pas les règles, donc c'était pour 2012, hein, sorti l'Ironman Challenge d'origine. On pouvait pas utiliser la donne genre Quest Helper, etc. Et maintenant il est intégré directement en WoW, donc c'est assez dommage. Bah, vous voyez là, le petit pointeur qui vous dit où aller, etc. C'est assez dommage, je trouve. Juste pour le challenge, hein, sinon franchement, croyez-moi, ça a changé la vie quand il est sorti. Hein. Parce qu'à l'époque, Quest Helper, il y avait des flèches dans tous les sens, c'était vraiment dégueulasse. Pour ceux qui ont utilisé, après ceux qui ont pex sans Quest Helper, franchement, bon courage à vous. Hein. Vous étiez des gens courageux. Nous sommes de retour d'ailleurs. Sur une petite Iron AL, une petite zone toute mignonne. On esquive les flammes, je prends des damage. Maître Liffey, il vient donc là. Donc j'ai fait partie de. Enfin, j'ai pas fait de first kill, machin, de Dawn à l'époque de Walk, etc. J'ai joué seulement, enfin seulement entre guillemets. J'ai toujours joué avec des amis, je me suis toujours juste amusé sur le jeu. Bon, à l'époque, on a fait quand même. À l'époque, 10 CC. On était jusqu'au 11, jusqu'à Syndragos Heroic, je pense. Parce qu'on est tombé Syndra Heroic, mais LK était vraiment dur. LK était vraiment très dur, donc on a pas eu. What the fuck, pourquoi je fais pas de dégâts? C'est dans toi les failles là. Oh putain, le mec il me met ma misère. Tiens, meurs. Voilà. J'ai vraiment les retirer 3600 de vie à coup de. Ça, il fait pas de dégâts non plus, mais. Du coup, je lui disais, on était jusqu'à Syndragos Heroic, qui était déjà bien balèze. Je trouve pour l'époque c'était déjà une très bonne perf. Hein. Et on a tombé LK avant les nerfs, avant le nerf 10 CC, donc en normal. Ceci était une assez bonne perf en soi. Après, voilà, on a toujours joué dans le carcan entre guillemets moyen supérieur des joueurs. Jusqu'à dernièrement où j'ai complètement lâché. Tout ce côté HL entre guillemets pour plus me focaliser sur le fun, que ce soit d'ailleurs sur WoW ou sur d'autres jeux, hein. Comme je disais dans la vidéo sur Devilian, je pense j'ai joué pas mal de différents MMO ce temps-ci, en solo en vrai, juste pour voir ce que procurait le jeu en termes de contenu. Enfin, moi j'aime bien tout ce qui est pexing, etc. Ça, c'est un truc que tous les gens n'aiment pas, et je comprends en même temps. Mais après, pour moi, le pixing fait vraiment partie intégrante du jeu. Qu'est-ce que je cherchais? Et c'est un contenu en soi, le pixing. C'est un truc que je kiffe vraiment, par la manière dont les développeurs ont mis les choses en place pour vous rendre tout ça agréable. Et j'ai été voir à gauche à droite et j'ai trouvé. J'ai réussi à m'amuser tout seul sur des MMORPG. D'ailleurs, c'est ce que veulent les développeurs à l'heure actuelle. Hein. Regardez WoW, le jeu est devenu beaucoup plus individualiste qu'il était à l'époque. Alors qu'il était déjà individualiste. Alors, la passion selon Shen Zinsu. Yo, soyez joyeusement impatient de vous suivre.
Eh bien, suis-moi, chériot. On va sauter par là, j'espère que tu peux descendre. Ah merde, j'espère que j'ai ma roulade. Sans spé. Après, je vais recommencer à se goupiller, hein, parce que... Ah mais non, mes roulades, c'est en moine. Oh là là. Mon loulou, c'est niveau combien? Level 15. Nice. Mon petit loulou. Mieux ancien l'esprit de feu. Allons-y, allons rejoindre. Rejoindre qui, j'en sais rien. Faut juste amener l'esprit jusqu'au temple qu'il y a au milieu de la colline. Un super grand temple. Franchement, un panda, je pense que c'est la classe que j'ai. Enfin, la race que j'aime le moins. Un panda. Sur World of Warcraft, vous jouez un panda. Pas grave, on va arriver, on est là pour le challenge. J'ai quand même hâte de sortir de cette zone et commencer vraiment le pas le concret quoi. Bienvenue. Il m'a filé un bouclard, nice. Putain, je suis en train de. Je suis en train de pré-déprimer au fait. Alors, on peut être des nuages, machin, blabla, c'est par là. Shenzhou. Mais oui, et donc je suis en train de vous dire qu'en fait il y a moyen de s'amuser hein, sur les MMORPG à l'heure actuelle, même les free to play, faut arrêter de les prendre en mode oui mais une fois HL c'est pay to win. Et bien ne jouez pas HL. Changez. D'ailleurs on va faire des vidéos avec, avec mon très cher confrère Zelk sur, sur Devilian prochainement vu qu'il est sorti le 10. Le 10 décembre, le 10 ou le 12 décembre, je pense qu'il sort le 10 en accès anticipé et le 12 pour le commun des mortels. Et donc après ça on fera une guilde, etc. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre directement sur le jeu si vous avez envie de jouer avec nous. On fera les donjons ensemble, etc. Les choses cool. Les choses cool et sympathiques. On fera du PvP aussi parce que j'ai fait un peu de PvP sur Devilian pendant la bêta et je trouvais ça vachement stylé. Je vous ai dit que j'avais pas le droit de faire des BG. Putain, j'ai pas le droit de faire des BG non plus, c'est horrible. En fait, j'ai le droit de aucun power leveling. Entre guillemets. Allons récupérer le. Enfin, cliquer sur le petit gong qui est là-bas. Merde. Putain, je transforme en grenouille quoi. Hop. 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 Hop là. Nice. Nice. Prends-toi un éclair dans la gueule, tombe! Molly mécréant. Et voilà, easy. Easy peasy. On est au début du jeu, hein, du coup c'est facile, c'est un peu longué, etc. Donc c'est normal. Ça deviendra plus dur avec le temps. Bien entendu. Meurs moine tu chouilles. Meurs donc. Où sont les gens? Là-bas. Je vole telle une cigogne. Sur des milliers de temps. Comment descendre de ce truc déjà? Oui là. Hop. Oh non, mais non, mais fuyez les grues. Je veux pas mourir. Je suis qu'une petite grenouille. D'accord. Non mais non, non 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 non. Là t'as pas le droit. Là. Non t'as pas le droit. Nice. Hop. Tu te calmes petite grue. Chier mais fuck up. La maline, viens là. Tu vois la puissance du chaman, Tom. Oh non, mais non, pas en tant que tu veux, en grenouille. Relou. Transforme en grenouille. C'est un scandale. Oh non, 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 et voilà, et voilà. Bon. Il manque des roseaux quand même, il manque deux.
passer entre les grues, putain! Ok, viens là. Elle est morte? Ah! Grâce à la puissance de mon chi, tu as chu. Non! Non! Ah, c'est fini! Nice, enfin! Petite musique asiatique pour l'ambiance. Parlez. Parlez. Le tigre blanc vous protège. Je suis le tigre blanc. Alors. Je te visite, Mona. Merci, je vais pas vous lire toutes les quêtes, hein. si jamais vous avez envie de les faire. Si jamais vous avez envie de faire les quêtes du début, vous pouvez jouer à WoW gratuitement jusqu'au niveau 20. Et voilà, comment faire venir des gens sur ce jeu. Qui n'a plus trop d'abonnés d'ailleurs, donc faut enflouer les caisses de Blizzard là, parce que c'est un peu en galère en ce moment. On arrive dans la retraite de Liang. Qui va nous permettre de rendre notre quête au vieux Liang. Vos yeux trahissent de Mais je suis pas encore parti, je viens de naître à l'âge adulte, sur une île. Je n'ai pas encore voyagé très cher. Bien gentil, mais non, pas encore. Perle du soleil, ok. Non, mais faut que j'arrête de sauter de l'eau parce que putain, c'est là que les habitudes de Pex reviennent très vite. Genre sauter n'importe où, on s'en fout si on meurt. Genre le truc, je suis en train de leur arracher la tête là, trop fat. Je peux avoir un autre sort s'il vous plaît. Putain, la flûte de soin après, donc ça veut dire que je vais galérer avec mon éclair en plus longtemps. Ah non, mais le mec est relou, putain! Mais vas-y, casse-toi avec ton stuff héritage de merde! Gros con! Je ne peux pas encore lancer ce sort. Vas-y, dégage! Foiré! Noble, mais fesses, t'étais noble, tu m'aurais laissé! Salaud! Voilà, pèlerine, faut mettre un titre! Fouillez son nom ensemble! Ancien bachelier bûcheron! Bûcheron, chercheuse, électrice, marraine, maître brasseur, maître des traditions, noble, professeur, la somnifuge. Que fais-je? Faut que j'aille chercher une perle du soleil. Ah, mais non, j'ai pas fini de tuer les saloperies que l'autre a massacré là avec son perso la con. La bien aimée, voilà. Je serais la bien-aimée. Non, ça va pas. Professeur. C'est bien, professeur. Laisse-moi t'apprendre les choses. Maudit saligo. Ah, voilà, c'est fini. Pour aller chercher la perle du soleil, pendant que l'autre est en train de tracer à fond de balle avec son perso full héritage, j'aimerais bien le mettre moi aussi. Dans l'eau, hop, hop. Me transforme pas, ça fait. Je peux me faire chasser. Fangche. Ah, c'est alors que c'est déjà l'heure. L'heure de se quitter. On est passé que 3 levels de plus, donc on arrive level 6. Bientôt. Pas bientôt level 7, on vient de passer level 6. Cet Iron Man Challenge. On est parti encore pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de levels. On a besoin encore de 94 levels. C'est énorme, 94 levels. Je suis en train d'essayer de voir le trajet que je vais faire, mais côté Alliance, c'est mal barré. Alors, rendons les quêtes. Je vous laisserai là-dessus. Bah non, je vais faire la prochaine encore. Alors. Ça, hop. Il faut jouer avec machin chose là. Fais joujou. Hop, 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 hop. Hop là. Wouh. Hop. C'est quoi ces petites tacs pour se faire jump et ça fait rire notre petit esprit de l'eau. Un nouvel ami. Oui. Ah, je l'ai pas comme ça en pet.
Oh non, mais. En pète. Non, je pense pas que j'ai d'amis. Je vais prendre Bubule, tiens. Voilà. Joue avec Bubule. Oui. Et oui. Après cette belle tranche d'amusade, tout à fait. D'amusement plutôt très cher. Très cher Vince. C'est pas grave, hein. Je ne t'en voudrais pas. Moi non plus. Alors on est bien. Bon, du coup, je vous laisse là-dessus. Sur cette belle tranche d'amusement avec notre compatriote, le petit. Petit esprit de l'eau, très très drôle, hein, bien entendu. Je vais rentrer dans cette superbe chariote et je vous retrouve à l'autre bout du chemin. Je vous dis à très bientôt. C'était Vince pour vous servir. Ciao, ciao.